Salut YouTube, nous sommes avec Gabriel Chevalier, grand accro à la caféine et à emmerder les gens. Nous sommes toujours en train d'enquêter sur les meurtres vaudou et nous prenons moult vent par tous les gens à qui on parle. On va aller au bazar de Dixieland, il y aura peut-être des infos sur les trucs des meurtres. Salut. Connaissez-vous ce symbole? Non, j'avais vu, monsieur. Reconnaissez-vous ce symbole? Non, jamais vu, monsieur. Bon, il connaît rien au serpent non plus, je suppose. Savez-vous quelque chose sur les écailles de serpent? J'ai des racines et de la poudre de serpent, sur commande uniquement. J'ai pas de serpent, j'aime pas les serpents. Personne qui parlait, il y a un mec en face de toi. Puis-je vous poser encore quelques questions? Allez-y. Savais-tu quelque chose au sujet des serpents? Quel genre de serpents? Disons, les mêmes que ceux qu'on trouve en vaudouisme. Les pitons et les boas, c'est tout ce que je sais. Vraiment? En avez-vous un? Vous êtes fou ou quoi? Pourquoi je voudrais avoir un piton? Est-ce que je vous ai parlé de ce que j'ai déjà fait avec une photocopieuse? Il y avait du boa et du python, c'est tout ce que je voulais dire. Le musée historique, du coup, elle a un serpent, donc... Bonjour, vous faites bien tout ce que vous voulez. Ok, merci. Je vais déjà montrer les cailles, je crois. Le tam-tam, il y a Jumbe Man. Savez-vous quelque chose sur ça? Non. Alors, ça marche le musée, Ok. Oui, on doit parler de Dr. John, mais il est pas là aujourd'hui, on a bien compris. Le serpent est trop loin. Oui, je m'en vais maintenant. Oui, à bientôt. Perseus Square, la Napoleon House. On va parler au barman, peut-être qu'il va nous dire des trucs. Il nous avait évoqué le fait qu'il avait fait appel à du vaudouisme quand il était jeune, un truc du genre. Puis-je te poser une question? Ah, bien sûr, je ne suis pas trop occupé pour le moment. Sais-tu quelque chose au sujet des serpents? Et à propos d'eux, là-bas? Oh, presque rien. Hé hey mec, tu poses vraiment des questions vraiment bizarres. Je ne connais rien sur les serpents, moi je ne suis qu'un français. Parle-moi des musiciens ambulants qui jouent en coin. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Alors, qu'est-ce que Sam t'a appris au sujet du vaudou? C'est à peu près tout ce dont je me souviens. D'accord. Ça signifie-t-il quelque chose pour vous? Pas vraiment. Cela signifie quelque chose pour vous? Pas vraiment. Cela signifie-t-il quelque chose pour vous? Pas vraiment non plus. Ah bien. Je pense que le barman ne sert pas à grand chose. Commissariat, on en revient. Musée historique, on se prend un vent. Cathédrale, il n'y a que le curé, on s'en fout. Premier cimetière. Et là, on peut aller voir Mémé ou on peut aller voir le lieu du crime. Je vois pas ce qu'elle peut nous apporter, Mémé, mais. Mais pourquoi pas? Mémé, pourquoi pas? Oui, c'est mon petit fils préféré. Oh, comme c'est gentil. Ton unique petit-fils, tu veux dire, mamie? C'était bien tenté quand même. Bon, fais comme chez toi, fils. Cela signifie-t-il quelque chose pour toi, mamie? Non, non, désolé, Gabriel. Bonsoir, Jerry Khan. Désolé.
Peut-être qu'elle s'y connaît en serpent, on sait pas. Donc non. Moi, je pense que mamie va pas nous être très utile. Peut-être qu'il y aura des trucs au grenier que j'ai raté. Il y a un truc à droite là, mais je sais pas ce que c'est. C'est la pendule, je pense. Un vieux bac de métal rempli de poussière et de toile d'araignée. Ouais, on peut arranger le grenier. Ça me semble en effet une perte de temps. Des vieux habits, des lederhosen, des chaussures de marche, des livres allemands. Chose d'autre chez mamie. Cette horloge dans la famille Wright, la famille de grand-maman depuis des siècles. Grand-maman n'aime pas qu'on touche à son horloge, même si c'est Gabriel. C'est bon. Territorial la vieille. Bon. Mamie, elle peut rien nous apporter, je pense. On a peut-être raté des trucs au cimetière. Parce que on nous avait dit à la base de rendre visite à la tombe des ancêtres, mais j'ai l'impression qu'on nous a pas apporté grand chose. Parce que vieux man, il connaît des trucs. Excusez-moi de vous déranger. T'as besoin de quoi, garçon? Ça veut dire quelque chose pour toi? Non. Ça veut dire quelque chose pour toi? Non. Toujours pas. Lui quand même s'il connaît quelque chose au serpent. Savez-vous quelque chose au sujet des serpents? Des serpents? J'en vois tout le temps dans les environs, la plupart d'entre eux ne sont pas venimeux bien sûr. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Je voulais voir la tombe familiale. Pardon. Un petit enfant de pierre se cramponne à une croix au sommet du tombeau des Wright. La tombe de la famille Wright, plusieurs membres de la famille de Gabriel et celle de sa grand-mère reposent ici. J'ai dû en faire forger autour de cette tombe. J'espère que c'est seulement pour empêcher les gens d'y entrer. On peut pas aller plus à droite. Réflexion intense. Allez, mais... Sors de la zone, tête de nœud. Tiens.
jusqu'à la cathédrale, le curé, mais s'y connaît, on sait pas. Sait-on jamais? Ça serait un petit peu surprenant, mais bon. Why not? Il semble pas y avoir de prêtre. Ah bah si. Il devrait me confesser. J'ai connu beaucoup de femmes, mon père. Beaucoup ou plus que 10? Oui, mon père. Plus de 20? Oui, mon père. Plus de 40? Oui! Mon fils, je ne pense pas que ça soit du ressort d'un prêtre. Je pense que vous avez besoin d'un bon docteur. Oui, mon père. Gabriel, vous avez le zizi qui devient tout noir et qui tombe au bout d'un moment. Ok, donc discuter avec le curé, ça nous aide pas beaucoup. Au niveau du parc, on a déjà utilisé le mime. Et dis donc, ça te l'embête, t'as envie de me parler moi la gueule? Allons faire chier ce djembéman. J'ai le temps de charger, d'accord. Je vais lui montrer le truc, il s'en fout. Il faut sur mon portefeuille, moi, j'ai jamais été. Et ça signifie quelque chose pour toi? Le batteur regarde Gabriel sur quelle expression continue de battre son rythme. Ouais. Tu veux du gel? Non, non. Il ne veut pas de gel. Non, pas du gel pour les mains, du gel pour les cheveux. C'était pas encore cette période étrange où les gens devaient se mettre du gel pour les mains un peu partout. Mais surtout sur les mains. Le choix prend ses aises. Donc je trouve un moyen de rehausser un petit peu son truc pour qu'il soit à peu près là. Pour qu'on puisse... Pour que vous puissiez voir le chaton quand tu fais sur le dos, c'est trop mignon. Ouais... Ça se les rendre là, on s'en fout. Balance. Équipe amicite, de rendez-vous. On peut pas parler aux flics qui vous envoient chier encore une fois. On va mater la place, hein.
Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Par des musiciens et des gens qui déambulent de façon nonchalante. Ils nonchalent. Ouais, il y a José le mime, mais bon, on l'a déjà utilisé pour faire chier le flic. Historique, bazar. Peut-être des trucs à demander à Grace, c'est que j'ai raté une. Peut-être lui demander de faire des recherches sur les symboles ou des trucs comme ça. Vous avez des messages pour moi ? Non, aucun pour l'instant. Pouvez-vous faire quelques recherches ? Bien sûr, quoi. Ah ! Pourriez-vous voir ce que vous trouvez à propos d'une femme nommée Malia Ged ? Ce nom m'est familier. Pourquoi vous vous intéressez-vous à elle ? Oh, toujours à propos de tous les trucs vaudous. Si vous pouviez obtenir une adresse. Les meurtres. Bon, je vais voir ce que je peux trouver sur elle. Rien d'autre ? Non. Je ne vois rien d'autre. D'accord. Eh bien, il est temps de fermer. C'était juste ça qui nous manquait. D'accord. Bonne nuit, Grace. Bonne nuit, Gabriel. Et essaie de ne pas rêver, ok ? Je demande du café, putain. Les mecs, ils rencontrent tout le monde, c'est genre... T'as du café ? Donne du café ! En tout cas, je trouve que l'ambiance du jeu est vraiment bien pour l'instant. Hein. C'est... Ah, petite teuf nocturne, ça se la donne, ouais ouais. Oh là, c'est Manimal. Un serpent et un lion, du sang, une petite animation 3D précalculée. Un serpent. Un mec qui se pend. Prrr, la foudre. Un gars qui se pend d'un air pas très serein. Et ben, il a dû passer une super nuit une fois que... Ah oui, là je pense qu'il lui faudra du café. Je m'approche. Je ne suis pas le même. Le visage masqué. Le dessin est obscur, mais son sens peut s'acheter. Une saucisse. Pour mon petit-déj, j'ai pris un café saucisse. Bonjour, quelle forme aujourd'hui ? Enfin, par la gueule de bois. Oh. Ah putain, j'ai pas vu. Elle prend un café. Peu importe. À cette époque déjà, le visage masqué. Tout à fait. La distanciation sociale. Sérieusement, t'as vraiment une tête d'enfer. Tes cheveux sont tout hérissés comme un... Ils sont toujours comme ça en fait. Ah, ah. As-tu rêvé de ce truc avec le feu, le type pendu et ce lion la nuit dernière ? Léopard, pas lion. As-tu trouvé quelque chose sur Malia Ged ? Sors-moi un café. Putain, mais déjà que le mec il avait des plaintes pour harcèlement au cul, c'est pas fini. Eh bien, j'ai trouvé son adresse, mais je trouve que tu as visé un peu trop haut, mon gars. Les Ged possèdent 3 hôpitaux, sans oublier les autres propriétés. Ils appartiennent à la très haute société. As-tu trouvé une adresse ? J'ai l'adresse. Je suppose que ça n'a aucun rapport avec le fait que Malia est une fille canon. Je devrais pourtant savoir que ce n'est pas l'argent que tu recherches chez elle. Et cette adresse, c'est... Et je veux pas que tu sois humilié, je t'aurais prévenu. C'est au 557 West Ingram. C'est dans le quartier des Jardins à Estate City. C'est tout ce que je voulais savoir. Et oui, ma chère, Malia Ged est la beauté la plus dangereuse que j'ai rencontrée. Les hommes. Bon, c'est bon, elle a pris son petit café, ça va mieux. D'ailleurs, il y a eu un petit gling-gling d'amélioration du café. Café saucisse. Tu as un instant, Grace ? Quoi ? Vous avez des messages pour moi ? Non, aucun pour l'instant. Vous faire des recherches ? Non. On n'a pas de nouvelles.
Non, la nommer, on s'en fout, le serpent. Vous faites votre arbre généalogique, Gabriel ? Très drôle. Non, je parle de serpents véritables. Vous savez, ceux qui ont des écailles et le sang-froid. J'ai pensé que vous trouveriez ce genre d'animal particulièrement sympathique. Je m'y connais pas trop en reptiles, quel qu'il soit, et je préfère m'en tenir éloigné, mais je crois qu'il y a un livre sur les serpents par ici. Ok, merci. Le serpent que j'ai dans mon slip. Eh, salut mon serpent. Vous êtes un gros bœuf, Gabriel. Oui. Matériel de dessin. Le secret des mystères insolubles des anciens ovnis. Ça donne envie. L'étagère supérieure contient une série de livres allemands ayant appartenu au grand-père de Gabriel. Ah, animaux, serpents et autres reptiles. Oui, ça peut servir. Gabriel prend un livre sur les serpents. Les serpents sont des reptiles sans pattes. Certains tuent leur proie par empoisonnement, d'autres par étouffement. Un serpent sent en goûtant l'air avec sa langue pointue. Les odeurs sont ensuite traitées par un organe spécial dans la bouche. Les boas constricteurs, par contre, repèrent leur proie aux vibrations. Saviez-vous que les légendes médiévales sur les dragons et autres monstres géants sont basées sur les serpents ? Dragons, diables, monstres des mers, ils ont tous été associés aux serpents. Grace, s'il te plaît. J'ai un meilleur niveau qu'un CM1. Ok. Ça nous avance pas spécialement, mais c'est pas tout. On va lire le journal. Quotidien d'aujourd'hui sur le comptoir, je sais. Le Times du 19 juin 1993. La première page est consacrée au plus récent des meurtres vaudous. Gabriel lit l'article mais n'apprend rien de nouveau. L'article insiste encore sur le fait que les aspects vaudous ne sont que du bluff. Gabriel vacille. Ça lui semble assez réaliste comme ça. Ailleurs, il y a un article sur l'histoire du Square Jackson. Autrefois, la Plaza d'Armes sous l'Empire français. C'était un lieu où on exécutait, on fusillait, on pendait, et même où on empalait et écartelait. La vache. Évidemment, de nos jours, c'est le coin des touristes, des musiciens de rue et des artistes en herbe. Gabriel survole aussi l'horoscope du jour pour les Verseaux. La mauvaise étoile est à prévoir, ne faites pas confiance à vos instincts. Je la vois déjà venir, l'étoile. Oh là là. Prends un café. Ah, le café du matin. Excellent ce café. Bon. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il y avait à faire. J'ai des choses à faire. Alors, on doit aller voir Malaguette, on doit aller voir... Le café semble avoir un rôle central. Ouais, c'est... Alors, autant la saucisse était primordiale dans Indiana Jones que le café est principalement là dans Gabriel Knight. Du coup, on doit voir... Ouais, il y a... Pour côté Guide ici, mais on va d'abord aller voir... Dr. John. Oh là, attention, la moto bécane. La mobiette. Bienvenue, mon ami. Bonjour. Je suis le propriétaire, le Dr. John. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Bien, mon nom est Knight, et ce sera pas la dernière fois que vous me verrez. Peut-être que Gabriel devrait en savoir un peu plus sur cette écaille avant de la montrer à tout le monde. On va parler de Dr. John. Puis-je vous poser quelques questions ? C'est pour ça que je suis ici. Au sujet du vaudouisme, que pouvez-vous m'apprendre sur le sujet du vaudouisme ? L'histoire du vaudouisme ou le vaudouisme pratiqué dans la ville. Que savez-vous au sujet des meurtres vaudous ? Les tueries dans les journaux. Je sais qu'ils n'ont aucun rapport avec le véritable vaudouisme de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces meurtres n'ont pas été perpétrés par des pratiquants vaudous ? Est-ce que vous auriez un café ? Vite ! Le vaudou est un croque-mitaine populaire, Mr. Knight, surtout à Nouvelle-Orléans. Tout le monde peut prétendre le pratiquer, comme on pratique un sport, pour les mêmes raisons, impressionner son entourage. Je connais le vaudou dans cette ville, Mr. Knight, et croyez-moi, il n'est pas question de meurtre. Même la police a statué que ces tueries n'ont rien à voir avec le vaudouisme local. Alors vous ne savez rien sur l'affaire des meurtres vaudous ? Non, et ça ne m'intéresse pas. Ma seule préoccupation est comment cette affaire va affecter l'attitude des visiteurs envers mon musée. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Personne n'y a fait une quelconque allusion. À part vous, c'est dire.
Ok, donc ça c'est bon. Que pensez-vous de la Nouvelle-Orléans? C'est la seule ville des US en ce qui me concerne. Faites-moi dire vous la Nouvelle-Orléans. Elle a une culture à elle seule, Mr. Knight. Contrairement à la triste renommée des autres villes, la Nouvelle-Orléans a un rayonnement. Comme tu dirais, un Orléanais. Si on tenez-vous cet tam-tam. Oui, le Jambeman dehors me casse les burnes. Si vous arrivez à m'en débarrasser d'une façon violente, je vous donnerai un café. Et couleur café, j'aime sa couleur café. Savez-vous quelque chose au sujet des serpents? Ah, vous avez sûrement remarqué notre serpent, Mr. Knight. Ce sont de belles créatures, n'est-ce pas? Mais les touristes semblent les associer avec le vaudouisme. Ce serpent est-il à vous? L'utilisez-vous pour des pratiques vaudou? J'admire l'esprit du serpent, Mr. Knight, mais ce serpent-là peut être dangereux si l'on s'en approche trop. Vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question. Je crois que si, Mr. Knight. Je voudrais vraiment en savoir plus sur votre serpent. Vous voulez que je vous le montre? Non, merci. Avez-vous une idée de ce que « cabris sans corps » signifie? Je crains que mon français ne soit pas très bon, Mr. Knight. Parlez-moi de vous. Moi? Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Que pensez-vous de cette photocopie de serpent? C'est un boa. Il est caché tout près. Oh mon dieu, ça y est, on part dans les clichés. Concours de Battle de Sgeg. Que désirez-vous apprendre? Pourquoi avez-vous ouvert un musée sur le vaudouisme? Le sujet m'a toujours fasciné, et je voulais contribuer à la conservation de votre héritage naturel, culturel. Quel genre de formation vaudou avez-vous? Disons que j'ai ça dans le sang, Mr. Knight. Faites-vous autre chose à part diriger le musée? Non, le musée ne me rend pas riche, mais mes besoins personnels sont modestes. Je préfère me concentrer sur mes vraies valeurs de la vie. Quelles sont vos croyances religieuses? Ceci est personnel et trop complexe pour un novice, Mr. Knight. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Je suis aussi originaire des Indes occidentales, vous savez. Vraiment? Qu'est-ce qui vous a fait venir à la Nouvelle-Orléans? Je suis venu pour des raisons personnelles. Je suis végétarien. Vraiment? Je ne pourrais jamais me passer de viande. C'est votre instinct de chasseur, Mr. Knight. Et quel ne vient l'esprit? Discutons d'autre chose. Racontez-moi un peu l'histoire du vaudouisme. Très bien, je vais commencer depuis le début, Mr. Knight, et je poursuivrai là où vous le désirerez. Ça me paraît bien. Comme vous pouvez vous en douter, le vaudouisme est un mélange de religions différentes, provenant des tribus africaines et des religions telles que le catholicisme ou le protestantisme. En d'autres termes, cette religion est née de l'esclavage africain. Ces esclaves furent non seulement importés vers les US, mais aussi vers les Indes occidentales, où les Français et les Espagnols avaient leurs plantations. Avant 1803, la zone de la Nouvelle-Orléans appartenait à la France. Les créoles français possédaient alors beaucoup d'esclaves. Mais ils interdisaient à leurs esclaves de se réunir, empêchant ainsi le vaudouisme de naître. Ils étaient aussi au courant des pratiques barbares et païennes des esclaves des Indes, où est né le vaudouisme. Aussi, ils interdirent l'importation d'esclaves provenant de cette région. Le temps béni. Oh non, pas de Michel Sardou, hein, pas de Michel Sardou ici, monsieur. Alors, comment le vaudouisme est-il arrivé à la Nouvelle-Orléans? Après avoir acheté la Louisiane, les législateurs américains relâchèrent la pression. Les esclaves pouvaient donc se réunir. On leva aussi l'embargo sur les esclaves venant des Indes occidentales. Pendant ce temps, une révolte d'esclaves éclata à Santo Domingo, à Haïti aujourd'hui. Entre la levée de l'embargo et la révolte d'Haïti, les esclaves des Indes affluèrent à la Nouvelle-Orléans. Certains étaient libres, affranchis ou esclaves en fuite. D'autres sont arrivés avec leurs maîtres qui fuyaient la révolte. Qu'arriva-t-il lorsqu'ils sont arrivés? Ils amenèrent le vaudouisme. Les esclaves locaux ont vite suivi le mouvement. Cela leur donnait de la puissance, Mr. Knight. C'était aussi un moyen pour les souder entre eux. Les premiers lieux de rassemblement furent le bayou de Saint John et les abords du lac Pontchartrain. Il y a de l'écriture en tout cas. Ouais, carrément, c'est pas mal écrit, je trouve. Les premiers vaudous étaient de fervents adorateurs du serpent, adorant celui qu'ils appelaient le grand zombie. Dites-moi plus de choses sur l'histoire du vaudouisme. Dès 1817, le vaudouisme commença à donner des craintes aux maîtres d'esclaves. Une ordonnance interdit alors tout rassemblement en dehors des zones et des horaires bien déterminés. C'était donc les dimanches après-midi au Square Congo. Les esclaves et les affranchis se rassemblaient là pour faire des simulations de leur danse vaudou devant leurs maîtres de la société créole. Bien sûr, ils se retrouvaient aussi en secret pour pratiquer le véritable vaudouisme.
Il y avait de nombreux rois et reines au début, des prêtres et prêtresses vaudous, mais vers 1830, un grand pouvoir émergea. C'était une reine vaudou qui se nommait Marie Laveau. Elle dirigea le vaudouisme à la Nouvelle-Orléans pendant plusieurs années. Zombie, parlez-vous de la chanson de The Cranberries? Do you know The Cranberries? Dites-moi plus de choses sur l'histoire du vaudouisme. J'ai dit tout ce que je savais, Mr. Knight. Regardez autour de vous si vous voulez en savoir plus. On peut du coup parler de Marie Laveau. Parlez-moi du vaudouisme de nos jours. Beaucoup de gens pensent vaudou en termes de formule magique, du gris-gris. Ce genre de pratique est en fait appelé hoodoo, et ce n'est qu'une partie du vrai vaudouisme. Le vaudouisme et sa religion ont de nombreux partisans à Nouvelle-Orléans. En fait, ça se propage assez rapidement. Il existe plusieurs églises ou temples vaudous dans la ville, et bien d'autres encore à travers les États-Unis. Les Africains d'Amérique voient ça comme une tradition qui leur appartient totalement. Les Blancs, il y en a beaucoup dans leur religion, ils sont attirés parce qu'ils recherchent l'exotisme. Moi, personnellement, je m'intéresse plus à l'histoire du vaudouisme. Quelques-uns de ces nouveaux mouvements copient sur les Haïtiens ou encore sur les vaudous africains, mais c'est plutôt celui de la Nouvelle-Orléans qui m'intrigue. Parlez-moi de l'histoire du vaudouisme. Il y a beaucoup de femmes vaudous à la Nouvelle-Orléans. Elles font souvent des affaires en vendant du gris-gris, en se prenant pour des diseuses de bonne aventure, plus ou moins honnêtes. Peut-être aimeriez-vous rencontrer une femme vaudou. On envoie ceux qui désirent avoir une plus profonde expérience du vaudouisme en la pratiquant de la religion. Magenta Moonbeam. Bien sûr, ça me ferait plaisir de la rencontrer. Elle habite au coin de la rue Orléans et Doshin. Je vais l'appeler et lui dire que vous irez peut-être la voir. Parfait, merci. Nice, on avance. Bien traité le grand Cthulhu. Ah tiens, en parlant de Cthulhu, il y a des point and click Cthulhu qui sont plutôt sympas. Il y a Shadow of the Comet et il y a Prisoner of the Ice. Qui... Par contre, Shadow of the Comet, l'interface est dégueulasse. Mais ça peut être intéressant de les faire aussi. Parlez-moi de plus de l'histoire du vaudouisme. Je vous ai dit tout ce que je savais. Ma compétence se limite à l'histoire. Peut-être que Madame Moonbeam saura vous fournir une aide supplémentaire. A-t-il autre chose que je devrais savoir sur le hoodoo? Non, si vous vous intéressez au vaudouisme. Le hoodoo est intéressant pour ceux qui étudient les traditions rurales populaires, mais est inutile pour l'étude du vaudouisme. Ok. Dites-moi plus sur Marie Laveau. Il y avait en fait deux Marie Laveau, la mère et sa fille. Nombreux sont ceux qui ont cru en l'existence d'une seule femme, cette jeunesse éternelle a accentué le mystère. La mère était aussi connue sous le nom de Widow Paris, c'est elle qui a bâti l'Empire. Quand Widow Paris commença ses pratiques, elle n'était alors pas la seule. Mais dès 1830, elle devint la reine vaudou de toute la Nouvelle-Orléans. Dites-moi plus sur Marie Laveau. Elle était coiffeuse pour les riches dames créoles. Elle soudoya aussi les servantes pour espionner à son compte. Ainsi, elle était au courant de tout ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans. Elle profita de ces informations pour apparaître mystérieuse, pour intimider, voire même pour faire du chantage. On dirait que vous l'admirez, vous entendre. Avoir une telle ascension en étant une femme noire dans les années 1800 est un exploit, Mr. Knight, qu'importe les moyens utilisés. Dites-moi plus sur Marie Laveau. Elle avait un serpent, elle dansait avec, elle organisait des cérémonies traditionnelles vaudou du côté du lac. Elle se prenait très au sérieux, mais cela ne l'empêche pas de vendre des billets pour les visiteurs curieux, amateurs de sensations. Elle essayait par tous les moyens avec le vaudouisme de s'enrichir. Mais si elle avait vécu en d'autres temps, son ascension aurait été interprétée comme une réussite, une preuve de son exceptionnel esprit d'entreprise. Et pas besoin de me convaincre, j'admire tous ceux qui s'en sortent bien dans la vie. C'est Marie Laveau qui a défini les règles des bases authentiques du vaudouisme actuel à la Nouvelle-Orléans. Elle inventa des centaines, voire des milliers de sorts, de potions, de sortilèges et d'incantations. Ils sont toujours à la base de la pratique moderne, sans oublier les emprunts aux pratiques hoodoo. La fille, Maria Glapion, succéda à sa mère. Nombreux sont ceux qui ont confondu que Marie Laveau. Les deux maris ont aussi préféré ce quiproquo. Widow Paris mourut en 1881. Marie Glapion a régné pendant longtemps. Après la mort de Widow Paris, d'autres reines vaudou sont apparues et dès 1890, le mouvement s'est divisé. Marie Glapion avait aussi complètement disparu. La tombe de Laveau, où l'une des deux maris sont supposées être enterrées, se trouve au premier cimetière de Saint-Louis. C'est un hôtel populaire pour les pratiquants et les touristes aussi. Moi aussi, je m'y rends là-bas régulièrement. Vraiment? Vous y retournez cette semaine? Non, mais le cimetière est ouvert aussi au public. Je pense qu'on a fait le tour des sujets avec Dr. John, qui nous a appris plein de choses. Est-ce qu'on peut lui montrer des trucs? Est-ce que ces symboles vous disent quelque chose? Non, je n'y comprends rien. Où les avez-vous trouvés, si je puis me permettre?
J'ai vu ça quelque part. Des graffitis, je crois. Je vois. À propos, j'ai oublié de vous prévenir, Mr. Knight. Les cimetières ici sont dangereux. Il y a des assassins, des voleurs. J'éviterais de m'y aventurer tout seul, si j'étais vous. Vraiment ? Merci pour le conseil. Ces signes vous sont-ils familiers ? Ça ressemble à des gribouillages de gosses, pour moi. Ok, merci. Ok, Bon. Merci beaucoup, au revoir. Revenez quand vous voulez. Alors j'ai essayé de faire ma voix du charisme pour Dr. John, mais bon, c'est moi quoi, donc ça reste limite peine. Dr. Jones! On pense à 2001. Résidence Moonbeam. Résidence Moonbeam. C'était bien, ouais, grosse écriture, hein. Le personnage de Dr. John est intéressant. Bienvenue, explorateur. Vous devez être celui dont le Doc John m'a parlé. Je crois, oui, mon nom est... Attendez. Gabriel Knight. Vous êtes trop rapide pour moi. En fait, c'est le Doc John qui me l'a dit. Vous avez frappé à la bonne porte, Mr. Knight. Dites-moi tout. Un énorme serpent gluant d'or au pied d'une cage d'oiseau. Apparemment, ma Jensen n'est pas très ordonnée. Une peau de serpent se trouve aussi dans la cage. La résidence Moonbeam ressemble à un temple vaudou construit dans un style victorien. Une grosse boule de cristal est exposée et bien en vue. Lampe de verre. Le masque est en bois sculpté et semble provenir d'Afrique. L'étagère contient une variété d'objets bizarres. Oh, vous inquiétez pas pour le masque, je l'ai acheté à bon prix à la Bread Ridley et j'ai eu 3 saucissons en échange. Les objets que Gabriel qualifierait de Camelot. Un gros amas de cristaux de quartz. Ok, bon, on va lui parler quand même. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr, explorateur! Oh, je lui ai fait une vieille voix de merde alors qu'elle est plutôt mignonne. Que pouvez-vous me dire au sujet du vaudouisme? Ma profession est principalement la vente de charmes et de potions magiques, telles que les gris-gris et les huiles de vaudou. Vous savez, pour tous les amours impossibles ou pour gagner des procès juridiques. Et mes sorts et potions magiques sont puissants, ils marchent. Que pouvez-vous me dire au sujet du vaudouisme? La majeure partie du travail d'une femme vaudou est de protéger ses clients des sorts maléfiques des autres. Je prépare des gris-gris de protection spéciaux, destinés à être portés en secret. Ils repoussent les sorts maléfiques s'attaquant à mes clients. Les recettes des potions magiques vaudou ont été conservées et léguées de maître à apprenti depuis des siècles. Je vous ai dit tout ce que vous étiez en droit de connaître, Mr. Knight. Que savez-vous des meurtres vaudou? Cela n'a rien à voir avec moi et ma clientèle, mais je peux vous dire que vous devriez vous tenir à l'écart de tout ça. Il y a le mal, oui, le mal. Donc vous ne croyez pas que les aspects vaudous en question soient factices? Factice? Laissez-moi vous parler du factice. Si je reçois des informations de bouche à oreille, ils les exploitent. Est-ce que c'est factice? Non, ça fait partie du pouvoir d'une femme vaudou. Si les gens n'y croient pas, il n'y a guère grand-chose que je puisse faire. Mais s'ils y croient, ça me concerne aussi. Mais il existe des choses, monsieur. Des choses plus vraisemblables qu'elles en ont l'air. Je peux vous l'assurer. Que vous le croyez ou non, restez éloigné de ces choses-là. Que voulez-vous dire? Savez-vous quelque chose sur cette affaire? Je travaille dur sur le réglage précis de mon antenne spirituelle, Monsieur Knight, et je reçois un signal clair dans cette direction. Faites attention! Est-ce que vous captez la TNT? Avez-vous opté pour un bouquet satellite? Que voulez-vous dire? Savez-vous quelque chose sur cette affaire? Ouais, ça c'est bon. Que pouvez-vous me dire au sujet de la Nouvelle-Orléans? La Nouvelle-Orléans est la principale ville du vaudouisme aux États-Unis. C'est une ville fascinante avec beaucoup de sombres secrets. C'est mon endroit préféré. Savez-vous quelque chose au sujet des serpents? Des serpents? Vous voulez dire comme ma grimoire bien-aimée? C'est une python, vous savez. Très mortelle entre de mauvaises mains. Je fus formé par l'une des grandes reines vaudou pour savoir comment hypnotiser et dompter les serpents. Dites-moi en plus au sujet des serpents. Oh, je ne voudrais pas révéler mes précieux secrets. Avez-vous une idée de ce que cabris encore veut dire? Non, je ne sais pas. Savez-vous quelque chose au sujet de Marie Laveau? Oh oui, elle était la première des grandes reines vaudou. On dit qu'elle a dirigé le vaudouisme à la Nouvelle-Orléans durant un siècle.
Je suis sûr qu'un historien pourrait vous aider si vous voulez en savoir plus. Parlez-moi un peu de vous. Oui, que désirez-vous savoir? Comment avez-vous fait pour entrer dans ce milieu? J'ai pratiqué les arts vaudous pendant plusieurs années avec la grande règle de Reine Tabitha. Vraiment? Qui était-elle? Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Quelle honte! Je me perçois que vous n'y connaissez pas grand-chose sur le monde de la magie. Je l'ai remarqué aussi, oui. Quel genre de personne vient vous voir? Ceux qui recherchent les vérités, comme moi. Que faites-vous d'autre dans la vie? Je suis une femme vaudou, c'est tout un métier, ça demande beaucoup d'efforts spirituels. Combien de femmes vaudou y a-t-il? Personne ne le sait exactement, beaucoup pratiquent en secret. Il y en a probablement des centaines. Mais bien sûr, le niveau de la puissance des femmes vaudou diffère énormément sur leur expérience et leurs dons naturels. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Je n'ai pas toujours vécu à Nouvelle-Orléans. Je suis venu ici du Kansas quand j'étais une jeune femme. T'as été censuré, Capi. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. J'ai commencé à étudier le vaudou il y a 20 ans. Je suis assez expérimenté dans les arts magiques. Non, rien ne me vient à l'esprit. Très bien. Au sujet de Grimwald. Qu'est-ce qu'il y a sur elle? Où avez-vous trouvé Grimwald? Elle appartenait à un spectacle ambulant de reptiles. Elle était horriblement traitée, donc je me suis proposé de la racheter. Eh oui, les liens sont interdits. Je lui ai donné le nom d'un guide spirituel que j'avais avant. L'esprit de Grimwald était une très puissante prêtresse en Égypte. Il y a des lustres de cela. Le nom de Grimwald ne semble pas appartenir à la langue égyptienne. Je ne sais seulement que ce que les esprits me disent, monsieur. Je suis sûr qu'ils en savent plus que nous. Sinon, tu peux me l'envoyer en privé, le lien. Je pourrais le reposter derrière, si. Micropoche, les épaules sont défoncées. Ça parle de café. Est-ce que ça parle de café, de piton et de saucisse? Un petit peu les thèmes du live de ce soir. De serpent. Bah, on va en privé. Comment avez-vous appris à dompter Grimwald? Tu dois pouvoir l'envoyer en whisper, en message. Je vous l'ai dit, une grande reine vaudou me l'a apprise. Elle tient même elle-même de Marie Vaudou. Fascinant. Désolé, YouTube. Les aléas du direct. Que serez-vous disposé à me donner une des écailles de Grimwald? Non, je ne pourrais pas faire ça. Vous voulez fabriquer un gris-gris ou quoi? On doit faire très attention avec des choses pareilles. Mèches de cheveux, rodures d'ongles et écailles de serpent. Pourriez-vous me montrer comment vous y prenez avec Grimwald? Vraiment? Vous voudriez me voir danser peut-être? Ce serait formidable. Je ne vous ferai pas attendre, Monsieur Knight. Ne soyez pas surprise par ce que vous voyez. Vous ne craignez rien. Je ferai de mon mieux. Je vais regarder ça avec Happy juste après ça. Et salut Uxael, comment ça va? Ouais, mais je vérifie quand même les liens qu'on m'envoie avant. Petite danse de serpent. Les mouvements de Bajensir sont aussi souples et fluides qu'un serpent. Ah d'accord, on a dû en profiter. On aurait pu en profiter pour... Eh ben ça va, tranquillou, on avance dans ce petit Gabriel Knight tranquillax. Voilà, c'est original, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Alors, deux secondes, il faut que je regarde le lien qu'on m'a envoyé. Tu charmes ton serpent, le miss. Eh ben ça envoie du lourd.
Voilà le genre de truc qu'on veut. Est-ce que ça va mieux ton bras, Xexa? Du coup, on va finir de parler quand même à Magencia. Puis-je vous poser encore quelques questions? Certainement. Ça dépend, c'est pas trop une réponse différée. Mais... Au sujet de Grimwald. Qu'est-ce qu'il y a sur elle? Je me suis étiré par réflexe hier matin, énorme erreur. Est-ce que tu peux me montrer la danse du serpent encore une fois? Ça vous inspire, n'est-ce pas? D'accord. Comme ça, on va chourer la mue. Je vais vous étonner encore. C'est trop charmé, son serpent. Ça, je n'en doute pas. Et bon, vu sa confession chez le prêtre, on sait maintenant que Gabriel aime beaucoup charmer les serpents. Et souvent pleurer le petit clown. Ha! Discrétion. Le ninja! Gabriel s'empare de la peau de serpent quand l'attention de Magencia est détournée ailleurs. Tu ne vas pas du tout remarquer l'absence d'une mule serpent au plein milieu de la cage. Donnez-moi un exemple de gris-gris. Je me sers d'un serpent pour faire l'écharpe autour de mon épaule parce que moi, il est tellement long que je sais pas trop quoi en faire. C'est ce bruit-là. Ça vient du jeu Harvester. J'ai jamais entendu parler de Harvester. D'accord. En voici un ancien. Prenez une magnétite et du soufre à un carrefour vers minuit. Brûlez le soufre avec une allumette. Un esprit viendra et vous donnera des conseils au jeu. Donnez-moi un exemple de gris-gris. Voici un autre truc de docteur. Placez une pièce de 10 cents sous la langue d'un client. Si le client est sous l'emprise d'un quelconque sort, la pièce deviendra noire. Pour envoyer quelqu'un d'autre part, prenez un œuf pourri et inscrivez dessus le nom de cette personne 9 fois. Vous pouvez aussi inscrire l'endroit où vous voulez l'envoyer. Et enfin, prenez l'œuf et lancez-le contre sa porte à minuit. Je connais pas Harvester, je vais me renseigner après. Donnez-moi un exemple de gris-gris. En voici un méchant. Pour tuer quelqu'un, trouvez une chaussette ou une chaussure qui lui appartient. Mettez de la terre de cimetière à l'intérieur et enterrez le tout devant chez lui. Est-ce que ça marche? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Donnez-moi un exemple. Pour assurer la sécurité de votre enfant, coupez une mèche de ses cheveux pendant qu'il est encore bébé et la gardez avec vous. L'enfant doit encore avoir tous ses cheveux avant qu'il ne puisse mourir. C'est très intéressant. Ils sont très anciens. Le gris-gris que je suis en train de préparer est bien plus puissant. Je peux vous l'assurer, mais je ne peux vous dévoiler ses secrets. Le carrefour, elle l'a déjà donné. Le grimoire, elle en a déjà parlé, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors... C'est un mu du serpent de Moonbeam. Est-ce qu'on peut les comparer? Mais... Non. Comme Magencia un serpent, il vaut mieux ne pas lui parler des cailles de serpent, putain mais... Genre, le gars, il a quand même quelqu'un qui connaît les serpents, qui est à face de lui, il dit « Non, je vais pas montrer les cailles, parce que bon... Mais... » Connard. Connard, Gabriel. Veuillez rester assis dans le cercle de protection, il y a des courants spirituels dans cette salle que je ne contrôle pas toujours. Merci pour l'avertissement. Mais je me casse quand même. Eh bien, je crois que je dois partir maintenant. Que le dieu du serpent vous protège. Merci. Snake, it's a snake. Les fans de Badger Badger ont reconnu bien sûr. On va voir si la cathédrale, au premier cimetière, il y a des nouvelles instructions ou des nouveaux trucs. C'est depuis quelques jours, donc on s'en fout. La tombe de Marie Laveau. Après, on va aller voir Malia Ged dans son manoir. Pendant que Gabriel est déguisé en pot de fleurs. J'ai vu que t'étais caché.
rien de nouveau sur les tombes. Ouais, donc du coup, t'étais encore en rémission, Xel. T'as bientôt fini, je crois. Tes soins. Allons voir Maliaghed. C'est le E pas très convaincant. Des rosiers en paume à l'entrée de la maison. Plus ou moins le fait que j'arrive à avoir. D'accord, ok, tu as besoin d'un rendez-vous de vérification. T'as déjà des trucs chez le kiné ou et tout? Il n'y a personne à qui parler à l'extérieur de la maison. Ok. La porte est fermée à clé, la poignée ne cède pas. Gabriel ne peut espérer rentrer à la maison à moins que quelqu'un n'y invite. C'est comme un vampire, Gabriel est un vampire. Donc les soins et le rétablissement sont théoriques en état. Eh, c'est embêtant quand même. Le marteau de la porte est en cuivre. Bah, utilise-le, abruti. Putain, mais... 3 heures pour dire « Ah, mais en fait, il y a un marteau !» Ce con n'est pas dispo avant le 16 mars. Ah, et la vache. Puis-je vous aider ? J'aimerais voir Mademoiselle Gaed, s'il vous plaît. Je regrette, mais à moins que vous ayez rendez-vous ou quoi que ce soit pour une affaire officielle, je peux pas vous annoncer. C'est effectivement une affaire officielle. Vraiment ? Pouvez-vous me préciser le motif de votre visite, alors ? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Non, ça fait rien, monsieur. J'en ai déjà suffisamment vu sur Mosley, merci. Ouais. Ok, non. Je sais pas ce qu'on avait filé des trucs pour... Ok, donc pas très bavard, monsieur. J'ai une importante affaire à régler avec Mademoiselle Gaed. Ouais, montrez-vous une preuve de ce que vous avancez alors, monsieur. Je pense que je n'ai pas encore ce qu'il me faut. On va trouver un truc un petit peu... Ah, quoique on peut tenter le coup du... Non. Je ne peux pas me faire passer pour son confesseur. C'est bien ce que je pensais. Bonne journée, monsieur. Il va falloir de Rusex pour pouvoir accéder à Mademoiselle Gaed. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs au lieu du crime? J'ai l'impression que non. Nope. Non, le crime. Alors, on va voir Mémé. Est-ce qu'il y a des nouveautés chez Mémé? Gabriel, mon chéri, je suis contente de te voir. Prends un petit biscuit. Je suis contente de te voir aussi, mamie. Fais comme chez toi, fils. Oh bah elle a dû connaître Marie Laveau personnellement, vu son âge. On peut parler, mamie? Ah bien sûr, mon chéri. En quoi puis-je t'aider? Sais-tu quelque chose sur Marie Laveau? Marie Laveau, bien sûr. C'était cette femme du vaudou, n'est-ce pas? Elle a attisé les craintes et les superstitions des gens, c'est ce que je pense. Il y a toujours cette volonté de prendre l'argent d'une autre personne pour rien. Mais depuis quand on n'a pas vu de, serpent? Le beau être papy est toujours fripé. Tu t'éloignes des gens comme ça, Gabriel. Oui, grand-mère. Sais-tu quelque chose sur Marie Laveau? Je ne sais pas de quoi te dire de plus, mon petit. Que sais-tu sur les serpents? Des serpents? Quelle sorte de serpent, mon petit? Je ne sais pas, des espèces locales. Eh bien, quand j'étais enfant, on attrapait des cottonmouth dans le parc. Il y en avait longtemps qu'on n'en a plus vu. On trouve aussi des grands serpents blancs et des serpents garter, mais ils ne sont pas dangereux. Merci, grand-mère. On pourra peut-être lui montrer les cailles. Mamie, tu peux me faire un café? Parle-moi de toi. Que veux-tu savoir, mon petit? On t'a déjà parlé.
Dis-moi quelque chose sur grand-père. Il s'est battu pour étudier. Il m'a rencontré, nous nous sommes mariés et nous avons eu ton père, Philippe. Parle-moi de père. Ton père était mon seul enfant, comme nous l'avons aimé. Philippe souffrait de terribles cauchemars, tout comme ton grand-père. Ils étaient deux poids dans la même gousse. Tu sais, tu es plus belle à chaque fois que je te vois. Oh, toi. Viens faire un bisou. Oh. Ça fait chaud au cœur de mamie. Ça signifie quelque chose pour toi, mamie? Oh non, désolé, Gabriel. Ouais, d'accord. Mamie, demande si elle connaît des trucs sur les serpents. Après, elle dit non, non, je n'y connais rien, en fait. Je t'ai menti. C'est tout de la couille, ce que je t'ai dit. Bon, mamie, il faut que j'y aille. D'accord, mon chéri. Le câlin de rigueur. Pour que t'aies on peut pas y aller, quartier français. On peut le commissariat, voir si Mosley a des nouveautés sur enquête éventuellement. Mais YouTube, on va s'arrêter là. Ouais, j'ai dit des bisous. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui trifouille le truc, il y a des nouveautés. Du coup, ne rate pas ce qu'on va pouvoir faire avec le thermostat de chez Mosley pour le faire chier. Des bisous YouTube.